Aïe! Donc, campagne, on va faire continuer. The Dreadful Whale. Nous sommes sur, du coup, sur la cinquième mission. On va voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que ma caméra marche? Du coup, j'ai pas le temps de voir vu que ma page s'est fermée. Nous allons prendre le canot. Je ne tiens pas à mettre en péril le Dreadful Whale. Il y a un petit quai dans les jardins de Syria, près du conservatoire. Je n'irai pas plus loin. On peut y aller? Oui, allons-y. C'est dans la façon de t'armer sa cagoule. Faut ta cagoule! J'ai pas la suite! Je crois que c'est si t'as les boules, mais je sais pas. Je vais pas chanter, parce que si jamais c'est pas ça, mais j'ai pas la... Trop longtemps que j'ai pas écouté cette chanson. En même temps, faut dire que c'est pas une chanson que j'écoute tous les jours. Du coup, on va au Conservatoire Royal. C'est un peu royal, moi j'ai envie de dire tout ça. Hein. Ah, ah, je fais l'humour! La Grande Garde a posté des hommes à l'extérieur du Conservatoire Royal. À l'intérieur, mieux vaut vous préparer à tout. Ashworth fréquente toutes sortes de personnes. Ce seront eux, vos véritables adversaires. Conservatoire Royal. Commencez par là pour découvrir de nouvelles possibilités. N'oubliez pas, Ashworth représente une menace sérieuse si elle est toujours de mèche avec Delilah. D'accord, Megan. À bientôt. Ok. Alors, juste mon retour qui vient de sauter, là, encore. On est de retour en live. J'ai eu une... En fait, il y a eu une sorte de coupure internet, si je puis dire. Et en fait, ça fait sauter le live. Et en fait, genre, j'avais... En fait, j'ai été obligé de le couper parce qu'en fait, j'avais genre une minute 20 de décalage. Genre, le truc monstrueux, t'imagines? T'as les gens qui viennent parler dans le chat, t'as une minute 20 de décalage. Ça fait beaucoup, là. Parce que du coup, ça a sauté, le temps que ça revienne, enfin bon. Le bordel, sachant que j'ai 5 secondes de base. Donc, plusieurs objectifs différents. À mon poste du superviseur Barin, le superviseur Barin possède un avant-poste secret per Redek. Il pourrait obtenir des informations utiles sur Brenna Ashworth. Brenna Ashworth a peut-être laissé des traces écrites de ce qui s'est passé avec Delilah Copperson il y a 3 ans. D'accord. Découvrir ce que c'est Barin. Donc ça, c'est secondaire. Fouille, enfin, c'est facultatif. Fouille le bureau dans Brenna Ashworth et entrer dans le conservatoire royal. D'accord. On va faire le facultatif, bien évidemment. Bien évidemment. Ok. Ok, the Silver Spike, ok. Alors attends, ils sont où les loulous là? Vous voulez vous donner un air dangereux avec ces armes? C'est inquiétant que quelqu'un enlève les gens. Vous auriez dû voir comment c'était ici. Donc, en fait, ils sont totalement gentils les gens. Un seul en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait lui sur le toit? Descends de là, margoulin. Tu vas te péter la jambe. Ok. Tout le monde arrête pas de me... D'allure avec ce masque. Oui, je sais. Tout le monde arrête pas de me dire ouais, tout c'était mieux il y a 10 ans. Ça me fait rigoler. J'ai l'impression d'entendre... J'ai l'impression d'entendre, comment dire... De mon temps, et je n'avais plus de respect. Je m'attendais pas à voir un gars. Ouais, parce que. Ça fait beaucoup là, non? Alors, c'est totalement parti en couille, hein.
Oh là là, je commence la mission. Je recommence. J'ai pas peur d'une bande de malfrats. Oh non, non, non. Oh les cons, ils s'attaquent eux-mêmes. Une scène qu'on n'aura jamais vue avant. Et elle tire mais sur elle. Oh la conne. Vous ne m'échapperez pas éternellement. Je sais pas quoi faire. Quoi ? Montrez-vous, où est-ce que vous allez comme ça ? On va voir qui est là. Venez vous battre, espèce de lâche. Je vois. Ok. J'ai semi-tué des gens, semi-endormi, bon. Un véritable carnage, hein. Qu'on se le dise très clairement. Ça a à peine commencé que je me suis fait repérer, mais j'aurais même pas fait gaffe, quoi. Je me suis juste ramené en mode coucou. Et là, bam, des jours. En fait. Au final. Je ne suis personne. Qu'est-ce que vous voulez ? Trop seul de me faire repérer comme ça dès le début. Hein. Et même de l'autre côté, genre je me suis barré dans un autre endroit en me disant bah safe, à peu près, presque, pas du tout. Je suis tombé sur une personne, instant. A rien compris ma vie. Hein. Quelqu'un ? Ne m'obligez pas à chercher partout. J'ai autre chose à faire. Je sais que t'es là. Pas la peine de te cacher. Ça rend fou ce niveau. Où elle est passée, bon sang ? Pendant que l'autre cherche. Quelque chose. C'était un erreur. Ça me casse les couilles. Hein. Faut dire ce qui est au bout d'un moment quand ça vient te les briser. Clé du portail de la cour. Quand ça vient te les briser comme ça, tant pis. De toute façon, ce qui fait effet, on a déjà tué des gens. On est des gens KO VV à pleine balle, donc on n'est plus à ça près. On va aller dans la bâtisse qui est ici. On va aller voir du coup ce qu'on y trouve. Ok. Ah ouais, il y a 12 mètres. Bienvenue. Ah oui. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Prenez votre temps. Bienvenue dans ma boutique. Dites-moi, okay. Une de mes connaissances est censée s'être réfugiée dans un bureau surplombant le conservatoire royal. Si vous passez par là, pourriez-vous aller voir si elle va bien? J'y serais bien allé, mais les rues sont bloquées. Je saurais vous récompenser. D'accord. Je vais y réfléchir. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Bienvenue. Prenez votre temps. Alors... Bah on va prendre la rune de toute façon déjà.
Cet achat, j'en suis sûr, vous donnera pleine satisfaction. Le cousin du marchand assistait à un cours dans le bâtiment infesté de mouches de sang en face du conservatoire royal. Là-bas, il a appris la combinaison du corps. Virulente que dans n'importe... Inutile de vous l'emballer, j'imagine. On va reprendre des anesthésiantes, moi j'aime bien les... Excellent choix. Voilà les améliorations que je peux vous proposer. Ah ouais, stylé. Hop. Le quartier est devenu particulièrement calme depuis la fermeture du conservatoire. Alors il y a quelque chose ici, donc ça se trouve il nous laissera peut-être aller dans cette cache là si entrez, on entrez. Si on va voir l'autre et qu'on lui demande si elle va bien là. Je pense qu'à mon avis il nous laisse accéder à sa cache. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a rien. Là non plus. On va monter. On va regarder un peu ce qu'il y a en haut. Porte bloquée, d'accord. Ouais, il y a des choses ici. C'est là qu'il y a notre objectif en fait, je viens de dire. Pardon, mais j'ai tapé sur la porte, le mec il s'est ramené, il a explosé avec la porte. Donc ça, une entrée en trombe. Rena Ashworth, conservatrice royale. J'ai longtemps cru qu'elle avait des liens avec les cercles occultes de Karnaka. Il se passe quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Les superviseurs sont la force vive. Ah oui, des cas, il y a un piège. Superviseur Byrne estime qu'Ashworth représente un danger pour l'ordre oraculaire. Si c'est le cas, c'est une raison supplémentaire pour l'éliminer. Hmm. De l'ordre oraculaire de Don Douglas Harmichael, historien. En fait, du coup, la porte était piégée et le fait que j'ai attiré, bah, du coup, il s'est rapproché, il a fait péter la porte, quoi. Le coup de bol et le coup de traite, du coup. Le gars était un peu con parce que le fil était quand même vachement visible. Hein. On va faire attention, il y a peut-être d'autres pièges. Je vais m'en manger un, tu vas voir. Je me moque de l'autre Tagazu, mais ça se trouve. Hein. Je vais pas faire mieux. Là, on s'en tape, c'est que de la bouffe. Conservatoire royal. Mmh. Message au superviseur. Dès que j'entends dire qu'il se passe quelque chose, j'ai du mal à me détendre. Ouais, en fait, on aurait pu passer par là. Simplement mais sûrement. Ok, on prend. On va faire juste un coup d'œil. Comme ça. Oh.
Une belle petite garnison, mais je suis déjà rempli. Comme un sac. Ok, il n'y a pas de tableau à prendre. Je n'en vois aucun. Du coup, je suppose qu'on a eu... ouais. Alors, attends, ça dit quoi de beau, là? Indice de mission, avant-poste de Barn, nanana, près de quai pour détenir l'information sur Brenna Ashworn. L'associé d'un marchand s'est caché dans le bureau surplombant le conservatoire royal. Un coffre enfermant plusieurs objets de valeur dans une salle de lecture abandonnée. Et elle est cependant infectée par des mouches de sang. Aucun problème, 502. Alors, le vice-superviseur Byrne pense que Brenna Ashworn influence l'ordre oraculaire. Cela peut être lié l'oraculum à la machine occulte mentionnée par Anton Sokolov. En apprendre davantage sur l'oraculum pourrait s'avérer utile. Se trouve au dernier étage du conservatoire royal. D'accord, donc en fait, on va falloir l'éliminer, tout simplement. Comme nous le disions. Et donc, du coup, on a une nouvelle carte. Alors, ok. Tac. Ok. J'ai pu récupérer ma flèche sur elle ? Bah, j'ai pas fait. Non. Elle est là, mais je peux pas la récupérer. Oh non. Elle a tout utilisé. Elle a pété. Ok, bah là pareil, j'ai pas tant besoin de soins et de mana que ça finalement. D'accord, en fait on aurait pu aussi atteindre son bureau par là. Moi j'ai vraiment utilisé la méthode mon gars, mais la méthode on va l'appeler des grosses barres. J'ai attiré quelqu'un, il a fait péter la bombe qui était juste dehors. C'est vraiment trop débile quoi. Associé du marchand, ok. Bon, bah on a fait le petit secondaire qu'il y avait ici. Hop, mince, excuse-moi. Foncer tout droit en direction, je vois. Donc, bah, maintenant qu'on a fait tout ce qu'il y avait ici, maintenant, go avancer. Jardin de Syria, d'accord. Une autre carte encore. Là, on avait déjà neutralisé les gens. Et l'objectif. Ok, donc il est par là. Ok, donc nous, on peut accéder par là. Ah! Je me suis refermé la porte tout seul, sur le nez. Ils sont totalement contaminés. Hein. Qu'on se dise clairement. Sorcière. Ah oui, d'accord. Bien ce que je pensais. Tout sauf humaine, c'est Sagouine. Hop, les poubelles. Plus qu'une passion, un plaisir. Là, il y a le cadavre d'un mec. Bon, on va avancer en espérant pas tomber sur d'autres gens. Mm-hmm. La concentration est de mise parce que j'ai massacré beaucoup, beaucoup de gens. Si vous voulez mon avis, ils ont mis les voiles. Ils devaient sûrement fricoter ensemble. Non, elle a disparu un jour avant lui. Et quelqu'un a retrouvé un pistolet d'officier dans un caniveau. À mon avis, il s'est passé quelque chose. Je me dis qu'ils sont peut-être entrés dans le conservatoire. De toute façon, les gens fuient Karnaka. On a beau se dire qu'on gère la situation, tout le monde a peur de ce qui va se passer quand ça finira par s'écrouler. Non, bah ça, on n'a pas besoin. Ok. Wow.
Massacre là-dedans. Ouah. C'est l'histoire d'une partie de cartes entre amis. Puis l'argent fut de mise. Finalement, ils se sont allumés. Ouais, prends. C'est de rien trop louper. Non ! Donne-moi la pièce ! Bah, il n'y a pas grand chose, hein. J'écoute pas du tout ce que dit Luc. Cette phase de rap peut bien aller se tailler à des levens. Bon, tu as quelque chose pour moi? Et tu as cigarette en argent, comme convenu? Non. Écoute, je veux plus rien voler. J'ai la chance d'avoir le gîte et couvert dans un des meilleurs endroits de Karnaka. Je peux pas perdre mon boulot. Ah oui? Ça te plaît de jouer à la servante? Le briquet l'argent, faire les poussières. Là-bas, ça sent la lavande et les meubles anciens. À poussière ville, on a les dents grises à force de parler de la suie. Tu as pas honte de parler comme ça, Béatrix? C'est chez nous, je te rappelle. Tu es trop au-dessus des autres maintenant pour bouffer de la poussière, c'est ça? Oh la vache, comment elle la redescend. Il paraît que c'est quelqu'un avec un masque, quelque chose comme ça. Attendez un peu qu'il me voit. Il y a quelque chose qui cloche. Elle l'a poussé, hein. Ah, elle l'a poussé, j'aurais dû la sauver. J'aurais dû intervenir, ça se trouve, il y a peut-être même un succès pour ça. J'aurais été totalement jalouse parce qu'elle était en train d'avoir une situation alléchante qui allait la faire bouger de son train-train et de son endroit un peu naze et elle la délète, mon gars. Elle a fait hop, toi tu dégages. Ok. Ah mince, j'étais pas sur le bon. On me disait bien qu'il y avait quelqu'un pas loin. Ok. Il y a plein de méthodes de diversion en fait qu'on se rend pas compte mais qui sont partout installées exprès pour. Alors j'ai vu la maison à côté remplie de mouches, je pense qu'il faut qu'on y aille. Hop. Oh purée. C'est normal que ça soit doublé comme ça là. Dédoublé même plutôt. Je nettoie la zone avant de fouiller.
comme ceci. Bah, c'est plutôt pas mal. Ah oui, après il y a là-haut, mais bon. Alors, un 5. Je veux un 0. Et je veux un 2. Wouh! À moi l'or et l'argent. Hop. On a plein de choses ici. Il y a plein de pièces. Combinaison du coffre a changé. Ok. Oh, il y a peut-être moyen de l'avoir de façon. D'une façon sans payer, tu vois ce que je veux dire? D'une façon sans payer, ouais. Moi je parle très la France, comme vous pouvez le voir. Oui, en fait, il y a un charme d'os là. N'attendez que moi. C'est les bestioles. Il n'y a rien d'autre en fait dans cet appartement. Ça ne sert à rien. The Crown Killer is watching. Elle regarde. Et on sait maintenant qui est la tueuse de la couronne. D'accord, effectivement. Il y avait ici même un petit endroit caché. Hop, désamorcé. Désamorcé. Bon, l'endroit il est truffé, mon gars, de. Le piège. On n'aura jamais vu ça dans le milieu de la piégerie. Et du coup le... D'accord, au-dessus. Je suppose qu'il y a encore des pièges là. Non. Oh, l'endroit ravagé, mon gars, par la végétation, je sais pas trop quoi. Ah ouais, c'est un peut-être de l'outsider. Faut que je regarde à mes runes comment j'en ai. Les charmes d'os que j'ai aussi. Regarde-toi, laissant une longue traînée de sang sur ton passage dans une ville mourante. Brenna Ashworth aurait été bien malheureuse parmi la haute société. Contrainte d'épouser un banquier boursouflé. Ses rares moments de liberté, passés à boire dans les balles, et à s'éclipser pour coucher avec des inconnus. L'issue aurait été un mariage malheureux et un plongeon nocturne dans les eaux glacées de la rivière. Mais, au moment où ses parents s'apprêtaient à la marier, il y a bien des années, elle a rencontré Delilah. Après ça, elle n'a connu que les cimetières et la fuite. Sans jamais se retourner. Le vice-superviseur Byrne est un homme ambitieux. Mais il croit en la mission de l'abbaye. À savoir, protéger le bon peuple de l'Empire, des gens comme toi et moi. Tu sais que rien ne lui ferait plus plaisir que de voir la tête de Brenna Ashworth sur une pique. La tienne aussi, peut-être. J'en ai 7. Effectivement, il est temps que je regarde un peu là. Ombre errante, clone d'ombre. Ok. Est-ce qu'on peut upgrader cette compétence? Déplacez-vous rapidement sur une certaine distance. Alors, le dos ralentit brièvement quand vous visez avec une longue portée en tombant.
attirer les objets à vous et attraper les vols. On va débloquer ça et on verra. Alors pas maintenant, même si je pourrais. En fait, ça, j'ai peur, c'est de jamais l'utiliser en fait. Ou de très peu. Ah non, où t'es les humains, les molos. Et là. Ah ouais. Pourquoi pas. J'en ai plein de nouveaux. Vos mouvements ne sont pas ralentis quand vos armes sont dégainées. Vos cartouches infligent un peu plus de dégâts. Vous glissez un peu plus vite en son tap. Vous récupérez un peu plus de vie après une chute. Ça j'aime bien. Après il faudrait que je vois où est-ce que je pourrais débloquer le reste. Ça pourrait être très pratique. De se rajouter quelques upgrades là. Non bon, on a fait le tour. Du coup c'était une petite zone qui n'était pas des moindres quand même. Pas déclencher ta larme. On va aller les planquer là. Bon, j'adore essayer de neutraliser des gens pour finalement tuer tous ceux qui sont à côté, ça me fume. C'est pas grave, on essaie de jouer le beau jeu, c'est l'intention qui compte. Bonsoir. Il y a des choses aussi ici pour moi. Corse en vie, il va falloir retourner après voir le marchand de tapis. En théorie, on va retourner au bateau. Oh! On avait un autre. Heureusement, j'ai été un peu plus malin. Mais ça a été wow.
n'importe quoi ici. Opportunité, j'ai une nouvelle mission pour vous et vos talents uniques. J'aimerais que vous vous procuriez le type de Rose Bureau exporté au Conservatoire Royal. Il est certainement bien protégé, je vous doublerai la commission. Obtenir le prototype Rose Bureau, d'accord. Donc c'est un nouvel objectif. D'accord, oui, donc il y a différents objectifs là. Ouais. Alors, j'essaye de lire et de comprendre. Non, ça c'est un truc de santé. Ok, donc tout va bien. Ok. Que dalle, hein. Ça me déçoit un peu. Mais bon, très bien. Oh bah. Là, ça m'a l'air plutôt bien par là. Ça avait l'air presque bien. Presque trop beau. Que je découvre comment Delilah, notre nouvelle impératrice, a pu survivre à un coup d'épée en plein cœur. Elle voulait faire pousser les glanciers sanglants, mais n'a pas réussi. Elle a abandonné après avoir essayé de créer des molosses sépulcres pendant des semaines. T'aurais dû voir ses horreurs, l'enchevêtrement de queue, de dents et de museaux. C'est comme ça, chère Parmelia. Delilah porte la marque de l'outsider et une partie de ses pouvoirs se diffuse en nous. Ça me paraît injuste. Pense à celles qui doivent s'abîmer les doigts jusqu'au sang en tissant des filets, ou travailler à la ferme au milieu des excréments. Tous les dons que nous recevons valent mieux que le précieux. C'est vrai, et c'est un point de vue plein de sagesse. Mais ça n'aidera pas Lucinda à gagner en faveur de Delilah. Il y a deux sorcières, deux Sagoun en train de discuter. Hein. Ok. On a évité le massacre. C'était pas facile, hein, la vache. C'était dans un truc. Alors, il faut que j'attire l'arrière, en fait. En fait, dans ce moment-là, en fait, je réfléchis pas assez. Il aurait fallu, tu vois, que j'aille faire du bruit pour les attirer ailleurs. Et tu vois, j'y pense pas parce que, tu vois, je suis en mode. Comment je fais pour les avoir là, comme ça? Mais en fait, c'est pas comme ça que je dois réfléchir. Hein. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a réussi à gérer. Avec les fameux Carwan, j'adore trop ça, même dans le 1 je l'ai joué carrément. Ok. Ah oui d'accord, il y a un cadavre là, j'avais pas vu. Hop. En vie. Noine. J'ai pas vu. Ouais, les carreaux d'arbalète plantés là.
Waouh, la belle bête. Le Sir Conan Legend Healthy Beast. Beast. T'as des poissons et tout, mon gars. Le légende Sir Conan. La vieille, le vieux monstre des mers. La vieille bête des mers. Plutôt. Parce que Beast, c'est bête. Donc il y a un truc et tout à désactiver avec une alarme, mais hélas. Qui est là ? Salle en question est bloquée. Il faut quel genre de clé, tu m'as dit ? Clé de la salle de sécurité, d'accord. Je suis même pas sûr d'avoir de quoi désactiver le bordel en fait. Parce qu'il va falloir un machin, tu sais, que t'achètes chez les marchands là. Bon, c'est clair que ça avait l'air grave classe et que là. Plus grand chose, grand chose. Alors avant d'aller là, on va essayer de t'amener cette zone. Pas mal de... ouais. Ouais, ça s'est pas passé comme prévu encore une fois. Hein. Très bien, l'oraculum, le truc donc du coup dont il faut en apprendre plus. Si j'arrive à saboter l'appareil de communion d'Ashworth, elle perdra tous ses pouvoirs. Les lentilles inopérantes se trouvent dans l'atelier de Brenna Ashworth au sud de son bureau. Remplacez les lentilles de l'oraculum pour briser le lien entre Delia et Brenna Ashworth et rendre cette dernière inoffensive. D'accord. Si j'effectue des modifications sur cet appareil, Ashworth pourrait être complètement isolé du grand vide et perdre ses pouvoirs de sorcellerie. Donc il faut les lentilles. Et pas les lentilles pour voir, mais les lentilles pour être connectées au vide. Oh waouh. D'accord, bonjour messieurs. Comment allez-vous? Bah, pas super bien apparemment. Alors là, il me dit que je suis proche d'une ruine, alors peut-être au-dessus, ouais, mais après bon. On a fait le tour, on va essayer de checker en bas. La grosse vanne. La grosse vanne. Les mecs qui viennent de me pranker sont apparus mais nulle part. Hein. Ah oui, c'est comme... comme ce qu'on avait dans le 1 dans le DLC. Faut détruire les crânes pour éviter qu'ils repop. Un jeu d'horreur, c'est nouveau ça. Alors, Stranger. Je suis au regret de t'apprendre que ce n'est pas un jeu d'horreur. Pas du tout.
sauf si vous définissez le combat comme étant un jeu d'horreur. Auquel cas, oui, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous allez plutôt bien. D'accord, on a un portail foudroyant ici. Alors, l'utilité de l'avoir rallumé, je sais pas. Les grenades, les machins, ok. Il y a encore une sagouine ici. Ok, ici. Qui est allongé par terre. Les doigts de ton personnage, c'est vraiment flippant. Ah! Mais monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Il faut consulter hein, quand on va pas bien. En fait, non. Ça va, je crois. En fait, non. J'ai envie de crever! Ah là là là. Il me reste 2 balles. Voilà. J'ai pu en récupérer une, parfait. On a endormi les vieilles sorcières là. Ça sert à rien. Ok, ok, ok. Monte. Où sont les runes et les charmes là? On a une en bas, ok. Bon. Un monsieur mort. Et du coup, pourquoi est-ce que vous allez pas bien? Quelles sont les raisons de votre état de santé mentale défaillant? Alors on a effectivement l'endroit pour aller en bas, on va pas y aller maintenant. J'ai pas envie de m'étaler de trop. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur du bruit du machin. Si je vais bien. Bon bah il va bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vraiment bien? Vraiment bien? Êtes-vous sûr que ça va? Il n'y a que dalle ici. Hein. Qu'on se le dise honnêtement et clairement, il n'y a que dalle. Ensuite, il y a l'étage au-dessus. Vas-y. Attends. On va d'abord terminer vraiment ça. Et après, on va aller voir l'étage qu'on a loupé. Enfin, qu'on a laissé de côté. Et après, du coup, on va aller monter tout en haut. Ou plutôt, on va aller descendre tout en bas. Parce qu'après, on ne peut pas descendre en montant. Et on ne peut pas monter en descendant. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je propose ça comme ça. Après, si vous avez des alternatives, bien évidemment, pourquoi pas. Ok. Il y a un monsieur décédé. Sur beaucoup de générations, apparemment. En vrai, je fais juste ça, puis c'est bon, en fait, au lieu de regarder tout. Ça m'a l'air d'être pas mal, hein. Il y avait des choses derrière. Il y a totalement des choses par derrière. Attends quoi? Un vilain. Ouais, mais je suis déjà fou. Ok, bon. Bien. On va, écoutez, on va vite fait aller faire le bas. Parce que de toute façon, la suite est en haut. Le point est là-bas. Ah oui, d'accord, dans... Ok. Et la lentille est encore plus haut. Par contre, c'est le Dawa. Bonsoir. Oui, mis à part que je vais bientôt dormir, ça, car ça me fatigue déjà à revenir. Chose qui n'existait plus chez moi. Comment ça revenir? Ah oui. Fatigue commence à revenir, mais comment ça se fait? Vous courez trop ça, c'est pour ça. Ah non, la porte est bloquée. Bah c'est pas grave. Si, c'est grave. Ah ouais. Ok. It's a trap. Cette ville ne manque pas de richesse. Ils tous n'ont pas leur place à la table de banquet.
Bonsoir. Tac. Ok. Ça, on prend. Ça, je ne peux pas. Qui y a-t-il d'autre? Oh, les clés des archives. Ok. Au niveau des artefacts et autres choses. Tout a l'air d'être en haut. Ok, bon. C'est qu'on a bien fait notre boulot jusque-là. On va terminer de fouiller. Il y a peut-être des pièces, des choses à récupérer. Je ne sais pas. Ma foi. Bah, que dalle. Ah si, là. Os de baleine. Plusieurs os de baleine. Vraiment rien. Je trouve cela surprenant. Il y a plein de gens morts. Effraction, d'accord. Une bouteille de chloroforme, des carreaux d'arbalète, on est full. Tout me fatigue. Toute ma fatigue qui se base devait être là. Reviens que maintenant. C'est pour ça que quand je enchaîne des 4 heures, ça va. Mais c'est après quand je me pose que bam, je suis mort et que j'ai rien fait. Ah ouais. C'est étrange. Mais je vois l'idée. Vas-y, pas. Ok. Si on passe sous la tortue. On trouve que dalle. Par contre, c'est une tortue, mon pote. C'est quoi cette tortue? Ça n'existe pas les tortues de cette taille-là. On en parle de la taille de la tortue d'ailleurs. Ah non, c'est une tortue mécanique. Ah, c'est en deux. C'est pas une vraie. Ok. Bah parfait. Tu peux porter le molosse. Je sais pas à quoi ça sert, mais hop. Je te jette. Ça s'appelle le non-respect. Oh, le joli babouin. Ou pas. Déverrouillé. Ah, l'archive est ici. Du coup, je vais me coucher. À plus. Bah écoute, à plus, Ranger. J'espère te revoir en pleine forme la prochaine fois. Sinon, bah écoute, c'est honteux. Le journal d'Ashworth s'en dira peut-être plus. Et puis, bon repos. D'accord. Bien, 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 bien. Il y a un ascenseur. Et là, on revient ici. Ok. Écoutez, ma foi, ça m'a l'air plutôt bien. Par contre, on a toujours pas trouvé la clé de cette zone-là.
Ah. Ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être juste un renard. Trop tard pour fuir. Je vais broyer votre cri. Un vieux clou dans le pied. Je veux entendre votre... Me voilà parti ailleurs. Viens de battre. Elle m'énerve. J'ai essayé de te sauver la vie, t'as pas voulu. Et bah écoute, tant pis. Du coup, je déclenchais l'alarme et je sais pas pourquoi la porte ici est ouverte. Alors, est-ce que c'est suite à, au fait que j'ai déclenché, puis paf, à son AV ici, puis. Va savoir pourquoi. Je sens ici, c'est bizarre. Bon, en tout cas, maintenant c'est ouvert. Et on a le prototype de Roseboro. Roseboro. Ah oui, d'accord, c'est des pics. Donc ça, il va falloir aller l'apporter. Je pense que quand on va pouvoir revenir, ça va être bon. Obtenir une lentille inopérante. Trouver Brenna Ashworld. Ok. Je pense que c'est pour la neutraliser, tout simplement. Ok. Bah écoutez, ma foi, plutôt bien. Allez, hop, comme ça. Je m'en remets bien. Je m'en remets full. Bah pourquoi j'ai fait ça? Bah finalement... Pour rien. Non mais... Il faut... Faut qu'il y ait du fun à un moment donné. Le fun, le voilà. Donc ça, on pourra les rendre aux marchands. N'est-ce pas magnifique? Moi, je trouve ça magnifique. Donc là, c'est... J'attaque ça? Je me fais repérer. Non. M'a l'air d'être bon en tout cas ici. Comment je suis censé monter là-haut? Je pensais que c'était par là, mais en fait non. Ah bah ça doit être par là-bas en fait. Par l'autre escalier qui était tout au bout. Au final, il n'y avait rien. Donc je m'étais dit bah non, pas tout de suite. Une belle alternative, je trouve. C'est vrai que j'y pense plus souvent. J'étais en train de me le rappeler, j'étais en mode, mais attends, j'ai des carreaux qui font d'autres trucs intéressants. Carreaux à combustion aussi, que j'ai toujours pétisé. Magnifique. Quel beau son de harpe. Je suis tout ému. Il y a peut-être des secondes qui sont dedans. Ok. Très bien, j'arrête pas de dire ok. Donc différentes choses par-ci par-là. Ah ouais. Tas de jambon. Un peu d'essai. Okay. De la poudre de perlimpinpin, encore des inscriptions runiques de la mort qui tue. Je vais lui calmer son délire de magie, moi, tu vois.
Ok. Karnaka. Ok, 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 ok. Pas de sous-size. Oh bah c'est en honneur de Aramis Hamilton. Mais c'était lui qu'on a vu dans un an. Je crois Aramis Hamilton, non. Peut-être de la merde. Des minerais. On a pris sans aucune culpabilité quelconque. Portrait de Jasmine. Maman, serais-je dans cette situation si tu avais survécu? Pêche depuis son assassinat, c'est totalement parti en vrille. Hein. Entre d'abord elle, puis après sa fille là, ça, jamais ça signe quoi. Jeune qui vole à fond. Alors on va pas aller maintenant ici. On va mettre la lentille pour lentiller. Ah! J'ai changé. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Les soupçons du vice-superviseur Byrne étaient fondés. Et la vache. Un qui va dans cet atelier. Oh. Quelle horreur. Kirin Jindosh a conçu ces lentilles de rechange pour l'appareil d'Ashworth. À moi de les utiliser pour le saboter. C'est intéressant, il y a pas mal de ressources. Essaye de rien louper là. C'est écrit dans tous les sens, frère. Totalement folle là, madame. J'ai de la chance, hein. Yelchen, il m'a entendu, mon pote. Ça aurait pu être la fin, et puis finalement, ils m'ont pas du tout entendu. Allez hop, on va changer les lentilles. Je l'active et j'isole ainsi complètement Ashworth du grand vide. Je n'ai plus qu'à appuyer sur l'interrupteur pour qu'Ashworth perde tous ses pouvoirs. Je ne suis plus rien. Cette sensation,
ses pouvoirs. La présence du grand vide. Delilah. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ? Je vous en prie. Non. Ok. Donc, du coup, on a fini. C'est fini. Je suis fini. Non, on va juste aller fouiller vite fait, mais ok, du coup, on l'a neutralisé. Je pensais qu'on allait lui parler ou quoi. Non, c'est genre juste... C'est tout. On l'a neutralisé, c'est bon. On va terminer de fouiller, du coup, son espace, à elle. On va regarder un peu voir ce qui s'y cache, ce qu'il s'y trouve. Et puis du coup on va aller voir le marchand, récupérer la cache et acheter tout ce qu'il a besoin d'acheter. Et Adien Kupra. Que dalle hein. Le disque, clairement, il n'y a que dalle. Et effectivement, ça devait être stylé ici, même là, tu vois, genre. Ça a de la gueule et tout, hein, tous les trucs et tout qu'il y a. Ah ouais, mes feux brûlent dans l'essence de Bren. Ah, ça, c'est les tableaux de l'autre. Celle qu'on a tuée dans le DLC du 1, la sorcière de Brickmore, là. Elle faisait des tableaux comme ça et ils étaient vivants, ces tableaux. Enfin, ouais, ils étaient vivants. C'est une façon de parler, en tout cas. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Il y a carrément un toit aussi. Éviter de check. Ok. Car mon espace que j'avais pas vu ça. Je m'en doutais. Je me suis dit, ça c'est le genre de choses, j'appuie sans le vouloir et ça arrive. Et là, je sais même pas ce que j'ai fait en fait, je me suis juste TP sur le côté, puis... Oh non, je repop... Oula. Pas loin, pissé, pas loin. Ah purée, en plus. Ah, c'est sûr, il me va repop juste devant le cercle. Ah, miséricorde, mon dieu. Oh là là là, je vais chicaler. Putain, j'aurais dû sauvegarder. Trop seul. Bon, en vrai, il y avait pas grand chose non plus à choper. On va essayer de refaire un tour vite fait. 2 spi. Il y avait rien ici, je crois. Ok. Il y avait un livre par là. Ouais, une note. Là, je crois qu'il y avait rien. Là, il y avait le tableau. Il y avait ça. Si on veut faire les choses bien, histoire de dire que c'est comptabilisé, on récupère ça. On récupère ça et on est bon. Je propose c'est qu'on se tire de cet endroit. On va sauvegarder pour éviter de... Hein, toi, ça me suffit. Du coup on va aller voir le marchand, on récupère et on se tire et on clôture du coup cette cinquième mission. Plutôt rapide comparé à celle d'avant. Pas à la quatrième avec avec le tocar. Ah ouais, il y a aussi une tortue pâte ici.
problème, c'est que moi, je suis pas venu d'ici. La question est... Quel connard, il me l'a quand même utilisé. Est-ce qu'il y a moyen de désactiver le portail foudroyant ou pas de la... Calmez les loulous. Inutile de courir, vous échapperez pas. Ah. C'est gênant. Ah mais non, mais moi je venais pas de là. Je venais de là-bas, mais oui. Je suis pas venu du même côté. Ok. Entrez, heureux de vous revoir. Je vois que vous avez trouvé le prototype. Votre connaissance ne s'en est pas tirée. C'est un métier à risque, je le crains, mais inutile de nous attarder là-dessus. Je pense que vous voulez votre paiement. Voilà déjà votre prime, comme convenu. Je peux aussi vous donner des schémas dérivés du prototype pour améliorer vos outils. Et en guise de remerciement, je vous offre une réduction valable sur toute la boutique. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ça me semble correct. Bienvenue. Prenez votre temps. Avec les ennemis, fait fuir les sorcières. Avec les ennemis, fait fuir les molosses. D'accord. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissantes? Okay. Cet achat, j'en suis sûr, vous donnera pleine satisfaction. D'accord, donc c'est soit l'un soit l'autre. Ok. En vrai, les molos. J'aurais peut-être dû faire un molos, mais bon. Carreau hurlant. On va acheter une anesthésie, ouais. Inutile de vous l'emballer, j'imagine. Tu n'as pas accès à ça? Shit. Bienvenue. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. Prenez votre temps. Bienvenue. Prenez votre temps. Quelle agréable surprise de vous revoir. Je l'ai tué. Non mais c'est chiant. Il y a un moyen d'accéder, tu vois, je vois qu'il y a un truc. Mais je sais pas comment. Je vais voir si on peut le tuer, on peut le tuer. Tu peux délaisser ton marchand MDR. Il y a un moyen d'accéder quelque part à un endroit bien précis, bien particulier. Je sais pas lequel. Je trouve c'est d'en dessous. Hein.
Si ça se trouve, on peut faire péter les murs. Je crois qu'il y avait un endroit où on pouvait récolter de l'huile baleine. Ça se trouve, tu mets des trucs ici, tu fais tout péter. Hein. Sur un mur. Quelconque, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un mur un peu abîmé ou pas? Pas l'impression en fait. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de mur abîmé. Ah, pourtant, il doit y avoir un moyen d'accès. Je sais pas lequel. Hein. On peut voir qu'il y a une chaîne et tout. Avec un truc en bas. Peut-être un. Oh quoi. Un volant. Ah, est-ce qu'avec ce volant. J'ai moyen d'actionner un truc par là? Oh oui. Ces bottes ne sont pas à ma pointure. Mais moi ça me fait rigoler parce que du coup je vais d'abord chez lui, je paye, après je le tue et après je récupère tout de façon non conventionnelle, ça me fume. Hein. Ok. Et bah parfait. On a trouvé, hein. Il y avait juste un volant puis réactivé avec une. Enfin réactivé la porte en fait. Wow. Mécanisme fourbe. Eh bien écoutez, 1h16 sur la mission, on a terminé. Alors c'est fait. Le problème à Schwartz est définitivement réglé. Bien. Mais Emily, j'ai autre chose à vous dire. Quand je vivais à Dunwall. Fait des choses dont je ne suis pas fière. N'est-ce pas requis pour devenir citoyen? Je suis très sérieuse. J'ai connu Delilah et Ashworth. J'ai cru leur boniment, ce qui m'a poussée à commettre de graves erreurs. Pour être tout à fait franche, je croyais encore récemment que Delilah était morte. Il fallait que je vous le dise. Même si je ne suis pas prête à entrer dans les détails, il y a des choses que je regrette. En qui peut-on encore avoir confiance? Tout le monde fait des erreurs, impératrice. Un jour, il faudra que vous me révéliez vos secrets. Ah. On peut partir maintenant? J'ai tué. Je suis le tueur de la couronne, finalement. Allons-y. Happening. Ramenez-moi au Dreadful Way. Oh mon dieu. Voilà encore un peu plus près du duc de Cerkonos et de Delilah.